Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, les fêtes sont terminées, nous revenons à nos moutons, voilà, et voilà, le marché reprend des couleurs. Alors, le Bitcoin est en train de repartir alors, à la hausse. Alors, il est descendu qu'à 5 000 $, remonté encore 9 000, 10 000. Alors, il tourne dans ce rayon-là. Alors, est-ce que d'ici l'halving, le Bitcoin ira à 100 000 $ comme on l'espère, ou bien voilà, il va ranger dans cette zone de turbulence. Alors, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler aussi, notamment aussi, de la sécurité de vos comptes. Alors, c'est quelque chose de très, très important. Un phénomène en train de se passer actuellement, si les gens ne font pas attention, alors ce bull market là va passer sous le nez de beaucoup de personnes. Ils ne pourront rien faire. Non seulement ils vont voir souvent les crypto-monnaies monter, mais ils ne pourront pas les tirer. Pourquoi ceci? Nous allons rentrer dans les détails de ça ici pour informer les uns et les autres. Parce que je reçois trop d'appelants par rapport aux différentes plateformes qui bloquent leurs comptes ou bien qui, en tout cas, ont de mauvais comportements. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de conditions? Nous parlerons aussi du halving qui est à quelques jours seulement, on est à 8 jours seulement du halving qui certainement doit se produire le 19 avril. Voilà, donc nous sommes dans la fourchette entre 19 et 20 avril. Alors, nous aurons le halving du Bitcoin. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, parlant de Trace Wallet, voilà, qui est une plateforme assez décentralisée. Alors, Trace Wallet offre une panoplie de solutions, swap, staking, et aussi la sécurité. Alors, ils viennent d'ajouter une nouvelle fonctionnalité de sécurité. Cette fois-ci, c'est la sécurité au niveau des transactions. Alors, c'est de ça que, voilà, nous allons parler. Alors, nous allons rapidement aller sur, voilà, le X officiel où ils ont fait cette annonce, expliquant un peu qu'est-ce qui sera dans cette fonctionnalité. Après, nous allons revenir parler du halving et de l'actualité, voilà, de tous les ETF qui sont en train d'émerger sur, voilà, le Bitcoin. Alors, où tout cela va avoir quel impact sur le marché. Allons-y. Nous sommes sur voilà, la présentation de cette nouvelle protection qu'on appelle le MEV. Voilà, sécurisez vos échanges avec Trust Wallet. Voilà un peu l'annonce. Alors, vous devez comprendre là que, voilà, en résumé, alors la protection passant par la technologie MEV de Trust Wallet, c'est la clé pour les transactions sécurisées et équitables. Voilà de quoi il est question ici. Alors, qu'est-ce que cela va apporter comme voilà, quelque innovation nouvelle? Alors, notons que Trace Wallet est ravi de présenter l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité de protection. Cela fait suite à notre récente mise à jour au niveau de la fonctionnalité Swap, qui offre désormais des échanges plus fluides avec plus d'1 million de paires de jetons sur les réseaux étendus et les fournisseurs supplémentaires. Alors, MEV est une protection spécialement conçue pour protéger vos transactions contre les défis de la valeur extractible par les mineurs, tels que les attaques sandwich et le front running. Alors, cela s'inscrit dans la continuité de notre engagement à améliorer notre expérience cryptographique en garantissant que chaque transaction est sécurisée et équitable. Cela s'aligne parfaitement avec la mission de Trace Wallet d'offrir une expérience Web3 sécurisée centrée sur les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ceci? Alors, lorsqu'on fait les transactions, lorsqu'on fait les swaps sur Trust Wallet, notons que voilà, les mineurs sont derrière et c'est eux qui fixent, on va dire, les différents voilà, frais et tout ça. Alors, les mineurs s'amusent à jouer là-bas, ils mettent même des bots, c'est-à-dire des robots,
pour fixer, voilà, capter les meilleurs prix et les échanger, proposer des prix plus élevés aux utilisateurs, tout ça au détriment des utilisateurs. Alors, la mise en place de cette nouvelle technologie qu'on appelle mineur extractable value, alors qui est le MEV, alors le MEV exploite ainsi l'ordre des transactions au sein de d'une blockchain grâce à sa stratégie telle que les attaques frontales ou sandwich, les mineurs ou les robots peuvent ainsi manipuler les ordres de transactions pour en tirer profit aux dépens des utilisateurs réguliers. Cela peut entraîner une augmentation des dérapages, une augmentation des prix au niveau des exécutions. Voilà. Ainsi, être vraiment un environnement ainsi injuste pour les utilisateurs. C'est dans cette optique que cette technologie a été mise en place. Quels sont ses avantages? Ses avantages, 1. Notifier ses avantages. Alors, les prix de swap sont équitables. La protection MEV vous garantit d'obtenir des prix équitables. Alors, pour vos swaps, il empêche ainsi les mineurs ou les robots de manipuler les prix ou évitant ainsi de payer plus, voilà, et de recevoir moins. Voilà, un peu, voilà ce qu'il fait. Deuxième avantage, expérience d'échange améliorée. Alors, il protège ici contre les attaques sandwich et frontales. Nous garantissons ainsi un processus de transaction plus fluide, plus sécurisé, améliorant ainsi votre expérience d'échange. Autre information, cela permet aussi à l'utilisateur, voilà, de protéger aussi, voilà, son trésor wallet d'une certaine façon. Alors, l'utilisateur sont informés dès le départ, voilà, de la capacité de protection du MEV, offrant ainsi, voilà, une liberté d'opérer avec cette nouvelle fonctionnalité. Alors, comment activer cette nouvelle fonctionnalité? Alors, c'est très simple. Alors, vous partez dans Trace Wallet quand vous êtes sur votre compte, voilà, sur votre portefeuille. Première des choses, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous venez directement dans la partie bas où on écrit Swap. Vous vous positionnez sur le Swap. Alors, une fois que vous êtes sur le Swap, le paramétrage se positionne. Choisissez le paramétrage en haut à droite. Ensuite, vous allez avoir plusieurs options qui s'offrent à vous. Vous allez voir la fonctionnalité MEV, protection. Alors, généralement, il est activé par défaut. S'il n'est pas activé par défaut, alors vous l'activez. Et donc, à partir de là, vous bénéficiez de cette technologie de protection. Voilà tout simplement comment est-ce que, voilà, vous pouvez bénéficier des transactions, voilà, ou les frais. Alors, lorsque vous lancez un swap, alors, grâce à cette technologie, elle va aller sur plusieurs plateformes, choisir le meilleur prix, voilà, en tout cas le plus faible des taux pour vous apporter ça, voilà, pour ne pas que les robots captent vos différents ordres placés et donc vous offrent les taxes les plus élevées. C'est ce que les robots font généralement. Alors, grâce à cette technologie, ça empêche ces robots-là de travailler de cette façon et aidant ainsi l'utilisateur à avoir une meilleure expérience utilisateur avec des frais assez moindres à payer. Voilà ce que la technologie.